Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue aujourd'hui sur MC2. On se retrouve avec un O520 Cito. Voilà la ligne 6 qui fait Avelia, Padiwa, Garde Avelia. Comme vous le voyez derrière, le Yonkir de l'épisode précédent est toujours là. Alors, vite de le laisser. Hop, on va démarrer cette bête. Alors oui, j'avais déjà effectué des tests pour voir si le K++ fonctionne. D'accord, le Vanol Screamer. J'avais effectué des tests pour voir si le mode K++ que j'avais mis dessus fonctionne, mais visiblement, c'était pas le bon K++. Alors on peut jouer avec les trappes à l'arrière sur ce bus. Et il me semble que c'est la particularité de ce bus, déjà qu'il est petit, c'est qu'il est électrique. Après, je ne suis pas du tout. Je ne le connais pas du tout le Cito. Donc, on va faire la ligne 6, comme je le disais. Alors, il peut prendre le Liège aussi, mais bon. Je ne vais pas prendre de bus français sur cette map. Enfin, sur la partie belge. Même si je sais qu'il y a des livrets des... pour certains bus. Hop, je vais regarder où je dois aller. Je dois aller... Pourquoi j'ai mis la ligne 6? Putain, ça m'a traumatisé le fail. Au lieu de mettre la ligne 16, j'ai mis la ligne 6. Parce que oui, normalement la vidéo de base est... Parce que de base, je m'étais trompé, j'avais pris le Yonkir pour la ligne 7. J'avais oublié qu'il y avait une ligne 6 sur la VDA. Du coup, c'était très particulier de faire une petite ligne avec un Yonkir. J'aurais pu prendre la 308 aussi, mais j'avais pas envie. Là, je pensais que ça s'adaptait les bus. Donc il faut que je réencode. Évidemment, on va prendre la fiche horaire. La particularité aussi de ce bus, c'est que c'est comme les O405, l'afficheur. Là, et on part dans quelques instants. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord, ils partent et ils reviennent. Ah, et du coup, ce sera pas défilant. Ça me semble que c'est pas défilant de base pour la ligne 7. C'est un beau petit bus, ça, avec. Un peu daté, ça se voit, avec l'ancien site du Tech. Je crois qu'ils ont été déclassés avant que y ait avant que Infotech devienne letech.be. À nouveau, je suis pas du tout connaisseur des Citos. Donc, à prendre avec des pincettes, ce que je dis. Oui, la terreur, je pense qu'il n'est pas correct. Hein. Hein, c'est la première fois que je l'entends aussi fort ce clignotant. Alors vu que c'est un bus qui date de l'ère Romcien, les annonces, enfin les annonces locales sont automatiques, manuelles et faut mettre le frein de point d'arrêt. D'accord, il faut l'installer, je vois que c'est marqué OMSI et pas OMSI 2. Après je me trompe peut-être à nouveau. Bon là OMSI a décidé de faire son OMSI. Hein. Peut-être qu'il doit recharger le Yonkir qui est devant moi. Au fond, j'aurais dû peut-être le faire despawn. Mais bon. C'est marrant de laisser le Yonkir juste derrière nous. Hop.
On va faire un screen. J'ai failli l'oublier en plus. C'est déjà arrivé une fois que j'ai oublié, c'était sur Grand Gondorf, pas deux fois. Voilà. Ah bah tiens, on va essayer de. Tiens, je vais me refaire le défi. Prochain arrêt, théâtre de Avelia. Et donc je dois aller par là. Alors, en plus, si j'ai une personne, le Yonkir. À part moi aussi, mais bon. Ah oui, particularité aussi de ce bus, c'est qu'il n'y a pas de bruit quand on demande un arrêt. Par contre, il faudra que. Je sais plus. Je sais qu'il y a un bug sur ces sitôt. Je sais comment le corriger. Faut juste sauvegarder les textures qui manquent. Enfin, moi je sais que j'ai une version buggée, peut-être que. Je sais que j'ai toujours trouvé la version buggée, je n'ai jamais trouvé la version corrigée. Enfin, si, là je l'avais retrouvé, mais j'ai perdu le lien. Donc, je mettrai le premier lien que j'ai pour les sitôt. Prochain arrêt, Saint-Barthélemy. Il me semble qu'après on doit aller tout droit. Ouais, t'avais raison. Donc. 12 voyages. Ah bah, je l'ai trouvé du premier coup. Prochain arrêt, piscine de Avelia. La piscine où on était déjà passé avec la ligne. Deux, je crois. J'ai un doute, hein. Oh oui, là je dois vraiment me retirer au poteau. Il y a toujours le frein aussi violent. Ah non, la ligne 4. Bonjour, comment allez-vous? C'est marrant ça qu'on puisse répondre aux passagers en mode je vais bien et vous? On avait un autre sauvage qui arrive. Ça a l'air d'être un autre sauvage, je suis. Prochain arrêt. Dépothèque de Abelia. Attends quoi? J'ai un. Oh putain, j'aime pas ça, j'ai eu un erreur décalage. Attends, c'est la ligne 5, je crois que c'est bien la 320 qui me suit. Ou attends, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce que tu es? Tu es un A320 ou un A308? A320, j'avais raison. C'est bien la première fois que je me trompe pas avec A22. C'était un A500, pardon. Je me disais bien que c'était trop beau pour pas que je me trompe. Non, c'est un A320, non, j'avais raison. Plus bas la fenêtre de la 500 par deux, si je me trompe pas. Moi c'est pas du tout banal de base. C'est vraiment depuis que j'ai joué à MC que j'en suis tombé que je suis tombé accro à ces banals. Bon bah du coup prochain arrêt de dépôt d'Avelia, je l'avais fait en avance. Toujours avec des petits AG700 et A320 garés sur le côté. Pas
qu'est-ce que j'ai fait avec le bus, mais c'était marrant. Mais là, on avance. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le dépôt? Déjà, on a la ligne 99 qui vient faire son terminus ici. Quelle est la 99 en fait qui va ici? Il y a un A320 qui est juste là-bas. Des stations rechargeables. Bienvenue dans l'ère moderne. Donc les 7900 peuvent très bien venir ici. Ah, la 5A qu'on avait déjà faite. Bon, je vais y aller de toute façon. Attends. Ah ouais, on doit tourner à gauche. Vous allez foncer tout droit, moi. Prochain arrêt, pas du bois. Bon, on tourne une fois à gauche. Une fois à gauche encore. On dirait un code triche limite. On dirait tuto pour aller. On dirait tuto en mode pour aller plus vite à un endroit. Faut tourner deux fois à gauche. Ici, je crois qu'avant c'était le terminus de la ligne 56. Ouverture des portes. Bonjour, bonjour. On est en avance. Hein. Là, je peux réguler. Je peux réguler sans qu'un panneau vienne m'embêter. On va pas réguler parce que je sens que je vais encore mettre du temps à trouver des tickets. Même pas. Deux fois que je les trouve du premier coup aujourd'hui. Je les trouve plus facilement sur cette machine que sur les Yonkir. C'est marrant ça que Oxy le truc payant te dise sur quel bouton appuyer pour choisir le ticket. Et bon, ce serait. Après, ce serait trop facile à faire. De toute façon, c'est. Les machines sont adaptées en fonction des maps. Adaptées. Pas forcément le texte qui est marqué dessus, mais. En général, ils mettent toujours, si c'est des trucs modernes, le nom du ticket. Je dis ça alors que les A405 aussi peuvent le faire. Alors que c'est des vieilles. Ah non, c'est pas les O407, pardon. Quand je parle des machines qui le disent, c'est ça, hein, que je parle. Donc on va y aller, on va y aller, je ne savais pas quoi dire de plus. Hein. D'ailleurs, comment il a trouvé un A500 alors que c'est que des AG700 qui ont la tête des A500 mais articulés. A500 barre 1, parce que nous sur MC actuellement on a que des barres 2. À chaque fois que je me fais avoir, c'est la deuxième fois que j'ai failli mettre un gros coup de freinage. Prochain arrêt, Clémence et... Attends. Ah bah du coup j'ai coupé la parole à l'annonce vocale. Ici je savais plus s'il fallait que je tourne ou pas. Ah, un coussin berlinois. Ah bah tiens, monsieur un billet. Ah bah tiens, tu vas marcher un peu. De toute façon, ça s'entend que je dois mettre le frein de point d'arrêt à chaque fois. Ah, je croyais que Manfred voulait sortir. Prochain arrêt, Pléiade. Pléiade, donc. Ouais, c'est le col Reut. Donc, je sais pas où aller. Bien, je commence à reconnaître le secteur d'Avelia mais pas le reste. Il me semble que je dois aller tout droit. Ah, on va pas retirer les indications.
La base, je voulais faire cela net la vidéo, mais bon. Le Yonkir avait patiné alors que j'avais demandé à dégager la neige. Ah, serait-ce la 320 qui nous suivait tout à l'heure? Ah ben oui. On a retrouvé notre ami la 320. Je peux même faire ça si je veux. Hop là. Faut pas faire ça en vrai. Le pauvre, je lui ai coupé la route. Ah non, il va se barrer, il va déjà se barrer. Ah, si je fais comme ça pour avancer le temps, ça peut pas dispawn le bus. Ah, et moi je me suis bien mis dans la merde là. Mais non, j'avais oublié que j'étais une cacahuète. Les cacahuètes passent partout. C'est marrant de revoir la 320 qui nous souvient tout à l'heure, qui va nous suivre. Prochain arrêt, ULA, Université Libre de Avelia. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que t'es pour le 5A? T'as l'air d'être pour moi. Ah, on passe par Antares. Chasser par un A320, la vidéo ça va être. Le titre de la vidéo ça va être je me fais pourchasser par un A320, ça tourne mal. Bah, c'est grave, évidemment. Prochain arrêt, Alcyon. J'ai oublié qu'il y a des annonces en manuel. Et regardez notre ami le A320 nous suivre. Ce qui est marrant, c'est qu'il est synchronisé avec nous en plus. Non, il avançait juste le temps. Hop. Oups. Pas vu qu'on me demandait des billets. Bon, là, c'est un autre speedrun. Hein. Ah, bon, elle veut pas monter. Il y a encore de la place pour toi. Peut-être que c'est la 320 qui l'attend. Qu'elle attend, pardon. Bravo qui? Bravo! Prochain arrêt, hôpital, Antares. Ça, c'est ce qui se passe quand tu te fais distraire par le bus de derrière. Est-ce qu'il nous suit encore? Ah non, c'est bon. Notre stalker arrête de nous stalker. Donc s'il ne nous stalkait pas, il faisait juste son trajet. Ah, bip. Il est marqué bip sur la plaque. Ah, Mercedes, hein. Alors ça, c'est la 320 défoncé. Ça, c'est la 320 défoncé à la poudre de perle à papa. Pardon, je voulais dire une connerie, je l'ai dit, et je l'assume, ça restera dans la vidéo. C'est même pas la 320, c'est la 330. Qui devient fou. Va-t-il essayer de sortir de son endroit? C'est trop bizarre ce bug. Voilà. On retire la fenêtre comme ça on voit en plus belle qualité. Le 330 qui devient fou. J'étais en avance, je pouvais me permettre. Il dit que la ligne 3 est là, mais il est en train de s'amuser. Espérons que Volbus est plus sérieux que le tech. Soit plus sérieux que le tech. Prochain arrêt, gare de Avelia. Terminus, nous vous invitons à descendre. Ah, j'ai neutralisé le A330 pendant 2 secondes. Si ça se trouve, j'ai dit à 320 à 3 reprises, mais et là je dis à 330. Il
Zach, les textures, elles sont beaucoup plus belles maintenant. Allez. Tu ne l'avais pas assez... tu ne l'avais pas dit et maintenant tu me le dis. Dans l'épisode précédent, elle me l'a dit au moins deux ou trois fois. Attention, les amortisseurs qui prennent un choc. Hein. Ah, moi, je dois être l'ennemi des mécanos, c'est le psy 2. Je vais tout de suite fermer la fenêtre. Hein. Moi, je suis vraiment le danger de la route. Moi, j'ai trouvé le titre de la vidéo. Je ne le dirai pas ici, mais je l'ai trouvé. Je vais mourir de rire. J'essaie de toujours de trouver des titres pour les vidéos. Au lieu de mettre digne 7, machin bidule. Ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend à la gare? Un A330, je dirais? Ah non, deux A320. Les A330, je les reconnais de loin, parce que le moteur est en vertical à l'arrière. Attends, c'est le moment où il a réussi à avancer avec les portes ouvertes. Oups, deux fois que tu fonces dedans. Heureusement que les collisions sont détectées parce que sinon je pense qu'il y aurait eu des drames. Ah, il fait notre ligne qu'on faisait juste avant. A330, A500 là-bas. Ah non, A500 ou A308? On dirait la 308, mais c'est la 308. Mais je ne sais pas quoi on va l'utiliser. Alors, la 308, lui, faudra l'exorciser. Hein. Ça va, vous vous prenez pour vilebrequin? Ces bus possédés, c'est typique d'Avelia. Je rigole évidemment, c'est une blague, ne me tapez pas. Surtout s'il y a le créateur qui passe et que ce qui m'étonnerait est qu'il m'entende critiquer la map alors que j'aime bien la map. Donc on a aussitôt, on a fini la vidéo aussitôt, pardon. C'était une blague de merde. J'aurais pu la désamorcer la blague, mais j'avais pas envie. Bon du coup. C'est sur cette fin de vidéo que je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi. Pensez à commenter, liker et à me suivre sur les réseaux, lien dans la description. Comme le bus qui sera aussi dans la description, ainsi que la map. Et du coup, je vous retrouve pour la prochaine fois sur d'autres vidéos. Jusque là, je vous dis à la prochaine.